Vas-y, je la quitte après avoir couché avec elle. Allez. Je suis toute contente, hein. Chez. Faire Ultia. Alors bon, en termes de visage vite fait, tiens, elle est assez creusée, j'ai l'impression, je sais pas, je suis un peu, voilà. Et elle a le nez, je sais pas, voilà. Là, on est sur Ultia, mais la coupe, déjà direct. Comme ça, on avance un petit peu assez vite. Et comme ça, on va pouvoir attaquer le DLC des Sims écologie, n'est-ce pas? On va faire tout full écologie. Voilà. Des nouvelles coupes, elles sont assez stylées. Oh, elle est trop jolie, celle-là. Ça, je pense que ça peut être Ultia, ça, non? Mais non, elle a pas les cheveux verts. Elle a les cheveux marrons. Non, mais ça va, ça passe, Ultia. Sinon, on peut lui faire ça, mais... Non, celle-là est trop stylée. Celle-là est trop jolie, j'aime trop. Pareil, on va s'habiller full écologie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, celui-là, je le trouve archi stylé. Ok, donc ça, c'est du rafistolé. Très bien, rafistolé. On a une grosse veste. C'est stylé, en vrai. Bon, le bas, on va le changer, hein, parce que ça, ça, on dit non merci. Hein. Oh, c'est trop mignon! Vas-y, on est 100% ça, nous. Ultia, ouais. Non, franchement, ouais, ça fait un peu... On dirait qu'on a fait Belle dans La Belle et la Bête. Et il y a quoi comme couleur? Alors, moi, déjà, je veux vert. Voilà, vert parce que j'aime bien le vert. Nous allons enlever les sous-vêtements. Enfin, je veux pas lui enlever les sous-vêtements, je veux lui enlever les collants. Genre, comment on lui enlève les sous-vêtements, ouais, Ultia? Alors, qu'est-ce qu'on a en écologie? Oh! Alors, jamais j'arriverai à marcher comme ça dans la vraie vie. Sinon, on peut y aller à coups de grosses bottes, hein. C'est plutôt pas mal. Bah, en vrai, ça... Ça suffit, ça c'est très très bien. On va le mettre en... Voilà, regardez-moi ça là. Ok, donc on va l'appeler Ultia. Ultia Ratus. Et Ultia Ratus, je pense qu'elle est proche de la nature. Elle est éco-innovatrice. Donc elle veut créer une communauté meilleure pour l'écologie. Alors elle est pas matérialiste, non. Elle est hyper écolo, Ultia Ratus. Ouais. Disciple du recyclage, Ultia Ratus. Et en plus de ça... Si vous voulez, on la met végétarienne. Hein. Et on va à Evergreen Harbor. Donc Evergreen Harbor, c'est la nouvelle ville. Quand vous arrivez ici, vous avez tout simplement trois zones de quartier. Comme vous voyez ici. C'est tout pourrave. Est-ce qu'on va la mettre là-dedans? Parce que là, c'est réduire et recycler et c'est hors réseau. Donc Ultia Ratus, il va falloir qu'elle se débrouille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sympa de l'emmener ici parce qu'il n'y a rien dans cette maison. Soit on va dans un appartement, une résidence, et en gros, t'as une empreinte écologique plus ou moins bonne, en fait. Voilà, plus ou moins bonne. Donc là, elle est très mauvaise. Là, il me semble qu'elle est en blanc normal. Et ça, il me semble que c'est une bonne avec rayon de soleil, etc., etc. En vrai, on peut la foutre ici. Comme ça, on va essayer de modifier un peu tout ça. Allez, c'est parti. On va en meubler là-bas, il va falloir trouver un boulot, etc. Il va falloir que Ultia Ratus vive. Ah bah c'est dégueulasse ici. Oh putain, elle est en train de crever en plus. Elle est en train de mourir. Ce foyer n'est pas dans le réseau d'électricité. Oh, les objets qui nécessitent d'électricité ou de l'eau ne fonctionnera pas sauf s'ils sont pris en charge hors réseau. De l'eau supplémentaire peut être récupérée dans le monde. De plus, consultez la catégorie hors réseau construction achat pour trouver des objets utiles et des activités. Certains objets peuvent créer des réserves d'eau et d'électricité même lorsque vous êtes hors réseau. Donc éolienne, générateur d'eau, récupérateur de rosée, générateur d'électricité, panneau solaire. Ah ouais, bah, va falloir bien se démerder là. Parce que là, on est dans la merde, je vous le dis. Par contre, j'aime pas trop beaucoup ça, le fait que des gens peuvent me voir dans mon salon. Bah au moins c'est gratos. Et est-ce que c'est pas ratus, les gars, de pas avoir d'électricité et de devoir se démerder? C'est totalement ratus. Par contre, je ne peux pas manger. Comment ça se fait? Il va falloir que je commande des pizzas. Donc là, visiblement, on est tous en train de mourir suite à l'empreinte écologique qui est, ma foi, fort dégueulasse. Et il me semble bien. Voilà, c'était ici. Les votes sont ouverts. Et en fait, à chaque fois que je me présente à des gens, en fait, je vais gagner en points d'influence. En gros, pour vous expliquer vite fait, donc il va falloir que je modifie tout ça, en fait. Il va falloir que j'améliore l'empreinte écologique de la ville. Il va falloir que j'améliore les espaces. Il va falloir que j'améliore tout ça. Et en fait, ici, c'est l'espace collectif. Et il va falloir que je lui donne, on va dire, une santé. Il va falloir... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il hurle à ma maison? Et en gros, en fait, comme vous voyez, on a des points d'influence. Les points d'influence, ça sert à faire voter des choses, parce qu'on est influente. Allez, Ultia, fais des connaissances. Elle demande des informations sur l'écologie, etc. Voilà, alors bienvenue à Evergreen Harbor. Je m'appelle Knox. Ça peut être notre mec, lui. Savez-vous que vous pouvez voter pour des plans d'action du quartier? Alors, comme je le disais, voilà, c'est avec les points d'influence. Là, on en a gagné 14. Alors, initiative écologique, appareil électroménager écologique, production d'énergie propre. Donc, je veux qu'il me montre le tableau et nous pouvons voter avec ce tableau là. On peut voter avec ce tableau, on peut aussi voter de notre boîte aux lettres et après on va pouvoir aller là aussi pour changer cela. Donc on va essayer de voir des gens, de faire des présentations. Comme ça on va gagner un maximum de points et on va pouvoir faire voter bah, ce qu'on veut pour voir ce que ça va potentiellement donner. Voilà, vous voyez, à chaque fois que tu te fais pote avec des gens, en fait les gens ont envie
de croire en toi et te donne des points et du coup bah tu vas avoir tellement d'influence qu'en fait je vais devenir la boss du quartier. Voilà, regardez, je deviens la boss du quartier en fait. Tiens, on va faire une présentation amicale avec la dame. Attends, mais elle veut pas se présenter amicalement avec moi. Regardez, elle fuit le tien. elle veut pas se présenter. Ah non, merde, c'est un garçon, c'est un homme, pardon, excusez-moi, j'ai dit la dame. Oh, attendez, alors ok, donc on a plusieurs choses. On a l'autosuffisance. Autosuffisance, c'est pourquoi continuer à nourrir le monstre industriel et à tourner dans cette horrible roue de hamster que la honte consumériste. Nous pouvons vivre dans une communauté où des choses comme la pêche, le jardinage, le bricolage sont la récompense de l'influence et aussi d'un sentiment d'accomplissement. Ok, on peut faire ça, nous portons des sacs. Avec le plan d'action, nous portons des sacs. Nous pouvons porter fièrement des sacs sur nos têtes pour montrer notre mode de vie écologique. Non mais comment ça? Attends, mais il y a des gens qui ont voté pour ça. Mais non, mais c'est pas possible. Voter pour ce point d'action. Les habitants ont souvent de l'influence pour les activités impliquant les compétences comédie, malice et même jeux vidéo. Moi, personnellement, j'aurais choisi ça, mais nous sommes Ultia. Et Ultia, elle est dans l'écologie, le jardinage. Moi, je vote là-dessus, c'est validé. Moi, c'est bon, ça suffit. J'en ai marre, je récupère des points. Je me fais tout plein de potes et je vais voter, tout simplement. Regardez là, mes points, j'en ai pratiquement 40, mais ça va tellement vite. Bon. Ok, donc là, on est sur quelque chose de problématique. Déjà, en termes de vie. Attendez, il faut déjà que je trouve un moyen de bouffer. Ah ! En tant que conceptrice civile, impliquez-vous dans la planification de la conception de solutions pour toutes sortes de problèmes environnementaux et discutez avec les autres Sims pour définir comment faire de leur monde un meilleur lieu de vie. Ben c'est exactement, c'est Ultia. Et c'est du 9h-18h, du lundi au vendredi. Nous avons le week-end, c'est parfait. Donc le week-end pour voter, pour récupérer un maximum de votes, parce qu'Ultia en a marre. Se procurer des matériaux recyclés. Oui, bien sûr, comment je fais? Je fouille dans les poubelles? Oh! Eh ben voilà. Oh, chercher des repas, j'ai faim, ça tombe bien. Bah voilà. Non mais attends, mais il fouille dans les poubelles. Dis. Putain, chercher des repas. On n'a pas le temps là. Alors c'est comme ça que je vais... Ça dégoûte. Je veux juste voir, voter pour des projets d'espace communautaire. Ah, espace de création, jardin communautaire ou marché. En vrai, jardin communautaire. 100% jardin communautaire. Et là, on va revoter. Hein, voilà, je mets la max de points là-dessus. Par contre, je vais mourir de faim. J'ai pas de quoi manger à part les poubelles. Il y a un barbecue à l'étage. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, je me fais griller des petits burgers végétariens. Oh, vraiment? Mais Ultia, tu viens de brûler. Oh non, désolé, Ultia, en plus, c'est sur le chat. Écoute... C'est pas ce que je voulais faire, Ultia. C'est juste que tu as quelques galères éventuelles pour en fait faire à manger et vivre. Mais attends, mais c'est pas possible qu'elle s'est fait, elle s'est fait elle-même du feu sur le corps. Putain, elle pue en plus. Mais putain! Non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non mais attendez, mais je vais pas pouvoir vivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais attends, mais... Attends, il doit y avoir une autre douche qui peut s'utiliser. C'est pas possible, je peux pas vivre comme ça en fait. Ça c'est... Fonctionne hors réseau. Ok, donc... On va faire celle-là. Je suis désolée, hein, on va en prendre une moins chère. Mais putain, mais je peux juste prendre une douche rapide et tiède. Comment je fais pour vivre? Je vais mourir. Il va falloir que je fasse le truc pour aspirer la mauvaise air, là, et rendre l'empreinte écologique assez ok. Parce qu'en gros, ici, vous avez l'empreinte écologique et industrielle, ça a un peu baissé. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'était comme ça au tout début, mais le but étant de le faire baisser, d'essayer de rendre la chose un petit peu plus propre, hein, dirais-je. Les votes sont maintenant terminés. Un esprit sain dans un corps sain, vous avez reçu plus de votes pour votre communauté, prend effet immédiat. Attends, un esprit sain dans un corps... Yes! Regarde-moi ça! Oh putain, il y a des trucs qui récupèrent l'eau! Mais c'est génial! Bagarre de quartier, c'est le moment d'améliorer votre crochet du droit, quoi? Pardon? Attendez, je vais aller frapper des gens. Se battre! C'est maintenant. Ok, c'est bon. Vas-y! Vas-y, Ultia! Oups là! Là, il assiste à ça. Vous voyez, ça, c'est le genre de gens qui prennent en vidéo, qui ne font rien et qui postent après sur internet. Mon dieu, c'est horrible. Regardez ces deux jeunes femmes se battre. Et regardez, ils y vont tous. Et ils nous regardent tous. Eh bien, écoutez, moi, je pars pour une modernisation du port. L'empreinte écologique de votre quartier est neutre. Ça y est, yes. Ça y est, je ne suis plus dans l'empreinte écologique de merde. Bon, c'est toujours aussi dégueulasse par terre, mais le ciel a changé. Ça y est, c'est plus dégueulasse. Oh, les votes sont terminés. La modernisation du port promise commence dès maintenant. Yes! Ouah! Attends, mais... Il n'y a plus de merde par terre! Déjà, il n'y a plus l'eau pourrie, j'ai bien l'impression. Il n'y a plus de merde par terre, il n'y a plus des déchets. Oh là là! Mais regardez-moi ça, comme c'est propre! Oh, yes! Au cours de la semaine prochaine, les habitants verront de plus en plus d'arbres et d'arbustes dans le quartier. Putain, c'est trop bien! Ça y est, on va avoir des arbres de partout. What? Mais attends, mais on aime le vert. Putain, ça pourrait être comme ça dans la vraie vie, sur mon balcon avec mes trucs. Franchement...
Vraiment, des fois, je me pose la question, les gars. Ok, je vais l'inviter à rentrer, lui. Ok, il faut qu'on soit potes. Comme ça, il va me parler de son empreinte écologique. Voilà. Je vais pas lui avouer ma peur des vampires. Pardon ? Écoute, Jeannette. Là, interrogé sur les factures. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais ? Interroge-le sur ses factures. Oh non, ces questions ne me regardent pas. J'arrive pas à me faire des amis. Sois mon ami. Est-ce qu'il faut que je le drague ? Ok, s'il faut en arriver là, je vais en arriver là. Non, il ne me plaît pas. Ultia, c'est pour le travail. Ultia, tu dois le faire pour le boulot. Ouh, la gêne occasionnée est énorme là. Bon bah Ultia, c'est pas lui que t'auras dans ta vie alors hein. Oh, toi tu seras très bien pour Ultia. Oh monsieur, bonjour. Ok, c'est bon Ultia, regarde-le celui-là. Pour lui après, regarde, tu n'as jamais fait autant de footing dans ta vie. Ok, c'est parti. Oh putain, en plus tu lui chantes et tout. Un petit coup de hanche. Allez, regardez-moi comment ça drague. Waouh. Il nous fait des pompes et tout là. Il est marié avec un enfant, faut qu'il divorce. T'inquiète qu'avec moi, il a même pas besoin de divorcer, on va le forcer. Alors, on se renseigne sur la carrière, c'est important. Avant de s'engager avec quelqu'un, il faut se renseigner sur sa carrière. Reviens. Où est-ce que tu vas? Drague-le. Drague. Non. Quoi? Tu vas voir, je vais te forcer, mec, je vais te forcer à tomber amoureux de moi. Ok, on peut y arriver. Je dépense mes sous, vous rendez compte? Oh. Je vais lui donner ma clé. Waouh! Je lui ai donné ma clé. Regardez comment il vient habillé. Ça y est, le mec, ça y est, il veut drague. C'est sûr, il veut drague. Il y a gros pec qui se ramène. C'est gros pec. Puis en plus, ça se trouve, il a des thunes. Quel horreur. Oh mon dieu! Alors, je suis désolée mon pote, mais ta famille elle reste là-bas. Oh les thunes, par contre. Je les dépouille. La moulaga. Il vit avec moi. Ok, donc là, je suis désolée, it's time, go in the bed. Oh! Ça marche! C'est bon. Ça va y aller. À deux doigts, les gars, à deux doigts. Va-t-elle réussir à pécho Makoa? Avouez son attirance! Oh mon dieu! Ultia, tu es casée! Ultia, oui! Attends, t'es pas encore mariée, mais on va te marier, t'inquiète. Est-ce que je fais un bébé dans le dos de sa femme? Ok, bon bah Ultia, elle veut un bébé, Ultia. Je suis désolée. Hein. Vous essayez de faire un bébé? C'est une OP Sims, hein, je rappelle. Hein. Je suis désolée à EA s'ils regardent juste ce contenu. C'est une OP. Mais attends, mais c'est un bébé sponsorisé par EA? Je vais aller rompre avec ma femme. Attendez, je vais divorcer. Hop, c'est elle ma femme, très bien. Toi! Oh, c'est quoi ça? Ils vont où? What the fuck? Non. Ne faites. Je suis choquée qu'il te trompe, Ultia, avec sa femme dans des poubelles. Vas-y, je la quitte après avoir couché avec elle. Allez. Je suis toute contente, hein. Chez. Eh oui, toi et moi, c'est terminé. Terminé. Jeter une boisson au visage. Tiens, regarde, prends ça. Et bram. Regarde cette poubelle, c'est là où tu l'as fait. Une dernière fois avant de divorcer. Demande en mariage. Ultia, regarde. Regarde, Ultia, tu as un bébé. Maintenant, tu vas te marier. Tu as détruit un couple. Regarde. Bravo, Ultia. C'était dur. Yes. Oh. Donc voilà, en gros, vous avez vu, on a pu modifier, bon là j'ai laissé les saisons, mais on a pu modifier pas mal de choses, que ce soit le visuel, l'empreinte écologique ici que l'on a modifié qui est neutre. Il va falloir que je regarde pour qu'elle soit bonne et qu'elle passe encore au-dessus, etc. En tout cas, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça trop cool. On a fait une sacrée histoire en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment d'ailleurs à EA d'avoir sponsorisé, et bien ma foi, cette émission, c'est très drôle, pour une tia surtout, enfin...
qui s'est passé par rapport à Ultia. Ils doivent être là en mode, attends, on a vraiment sponsorisé ça? Oui. Bah écoutez, le but c'était que je vous montre ce qu'on pouvait faire dans cette extension écologie, c'est-à-dire améliorer le monde, etc. Ou en tout cas améliorer la zone où on était. J'ai amélioré aussi le confort d'Ultia, puisque j'ai piqué de l'argent à son ancienne famille, de mon mari actuel avec son ancienne famille, donc voilà. Et puis on peut faire crac-crac dans les poubelles, et ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, c'était très drôle, j'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bon après-midi, et ça va faire tout noir. Ta gueule !